Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 6 mars, nous fêtons Sainte Colette. Colette vint au monde à Corbie, diocèse d'Amiens, le 18 janvier 1380. Son nom de famille était Boilé. Ses parents lui firent donner au baptême celui de Colette, c'est-à-dire Petite Nicole, par dévotion pour Saint Nicolas. Dès l'âge le plus tendre, Colette se tenait toujours en la présence de Dieu, priait avec ferveur, pratiquait de grandes austérités et faisait déjà des actes de charité. On la vit souvent se priver de ses repas pour les donner aux pauvres. Après la mort de ses parents, elle renonça au monde, entra d'abord chez les Béguines, puis dans le tiers ordre de Saint François, et vécut près de 4 ans en recluse dans une cellule à Corbie. Elle couchait sur la dure et reposait sa tête sur un tronc d'arbre. Elle quitta cette retraite sur l'ordre de ses supérieurs pour aller recevoir à Nice l'habit de Sainte-Claire des mains de Benoît XIII qui lui donna le titre de supérieur général des Clarisses avec mission de rendre à cet ordre son ancienne splendeur. L'entreprise était hérissée de difficultés. Sa constance les surmonta. Bientôt, on vit fleurir en Savoie, en Bourgogne, en France, en Flandre, en Espagne, l'ordre des pauvres Clarisses ou Colettines. Colette usa de toute son influence pour obtenir l'observation de cette loi du dimanche et des fêtes qui intéresse à la fois la gloire de Dieu et le bonheur des hommes. Comme Saint François, elle avait une affection surnaturelle pour les créatures qui porte les traces de la toute-puissance du Créateur et nous invite à célébrer ses louanges. L'alouette, qui s'élève en chantant vers le ciel, lui semblait surtout une image de nos aspirations vers Dieu. Un jeune agneau s'était attaché à elle et la suivait partout. Il lui représentait l'agneau sans tache et s'agenouillait au moment de la consécration comme sa sainte maîtresse. Sainte Colette mourut le 6 mars 1447 à Gand, dans l'humble couvent de Bethléem. Son corps demeura flexible et son visage revêtit une beauté ravissante. Pie VII la canonisa en 1807. On vénère ses reliques à Poligny, en Franche-Comté. 6 mars, Sainte Félicité et Perpétue, martyr. Les plus grands sacrifices furent demandés à ces deux femmes martyres par amour pour Jésus-Christ, si bien qu'elles se sont assurées, selon le mot de Saint Augustin, une perpétuelle félicité. L'exemple qu'elle donne de la force chrétienne et de l'abandon à la divine providence est l'une des plus belles pages de l'Évangile des saints, page écrite par la noble Vivia Perpétue, âgée de 22 ans, qui laissera sa plume à un autre pour nous relater le dénouement de cette sublime tragédie. Nos deux héroïnes, encore catéchumènes, furent arrêtés avec plusieurs chrétiens en Afrique du Nord sous l'empereur Sévère, 203, et jetés dans une prison obscure. Condamnées aux bêtes après avoir glorieusement confessé la foi devant une foule haineuse sur le forum de Carthage, elles furent ensuite reconduites en prison où diverses visions affermirent encore leur courage et les embrassèrent d'ardeur pour la palme du martyre. Ni les prières, ni les larmes répétées, ni les menaces de son père âgé, ni l'amour maternel envers son enfant qu'elle allaitait encore, ni l'atrocité du supplice ne purent jamais détourner Perpétue de la foi au Christ.
Le jour du spectacle approchant, Félicité, enceinte de 8 mois, craignait de voir son martyre ajourné, les lois interdisant de supplicier les femmes enceintes. Sa délivrance fut avancée grâce aux prières de ses compagnons de martyr et elle mit au monde une fille qu'elle confia à sa famille. Comme elle gémissait lors de l'enfantement, l'un des gardes lui dit « Vous qui vous plaignez ainsi maintenant, que ferez-vous jeter devant les bêtes ?» Elle répondit « Maintenant, c'est moi qui souffre, mais là, un autre sera en moi qui souffrira pour moi, parce que moi, je souffrirai pour lui. » Exposée dans l'amphithéâtre, elles furent d'abord battues de verges, puis emprisonnées dans un filet, furent pendant quelque temps le jouet d'une vache féroce qui les couvrit de blessures et les foula sur le sol. À peine relevée de ses chutes violentes, Perpétue courut vers Félicité et lui tendit la main pour la relever. La femme noble et l'humble esclave se confondaient dans l'embrassement du martyr. Enfin, elles eurent la tête tranchée par le glaive, ainsi que leurs compagnons, qui avaient tous été tourmentés par divers animaux. Perpétue aida de sa main le bourreau encore novice qui l'avait seulement blessé au côté lors du premier coup. Sainte Félicité et Sainte Perpétue sont nommées au canon de la messe. Quelle excuse présentera maintenant l'homme pour se faire pardonner sa mollesse quand de simples femmes déploient un si mal courage ? Saint Jean Chrysostome. Thank you.